Roi Transparent raconte l'histoire de Léola, qui est une jeune serve vivant donc au Moyen-Âge, plein 13e siècle, qui, pour échapper au massacre de toute sa famille et de son village, doit revêtir l'armure d'un chevalier qui est mort au combat. À partir du moment où elle met cette armure, elle est obligée de se comporter comme un homme, de se battre comme un homme. Heureusement pour elle, sa route va croiser celle de Ninève, une femme un peu sorcière, qui se dit amie de Merlin l'Enchanteur, de Arthur et des chevaliers de la Table Ronde, et qui va lui apprendre justement ce métier d'homme. C'est surtout un livre qui nous parle et qui nous montre le Moyen-Âge, une époque qu'on fantasme beaucoup, l'amour courtois et tout ce genre de choses, et qui visiblement n'est pas du tout au lieu d'être fantasmé. C'est une époque dure et où il faut survivre. Dans la forme, c'est vraiment un roman contemporain sur le Moyen-Âge, mais on y est proche par le thème, oui, tout simplement, par l'histoire est au Moyen-Âge, l'histoire de chevaliers, des tournois, des joutes d'honneur, tout ce genre de choses. C'est pas un grand roman de littérature, c'est un bon moment de détente, un week-end ou en vacances. C'est aussi un bon roman pour ados, je trouve, qui veulent lire des choses d'adultes et qui passent très bien pour ce genre de cas.